Les sages-femmes jouent un rôle déterminant dans l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. C'est fort de cet engagement aux côtés des femmes dans les maternités lors de l'accouchement que le ministère de la Santé publique, en collaboration avec Expertise France, décide de les honorer à travers cette exposition photographique. La France a retenu dans sa stratégie de développement du Tchad comme première priorité le continuum éducation, formation, enseignement supérieur, recherche, emploi. La santé y tient toute sa place. Conscient des conditions dans lesquelles les sages-femmes exercent, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale insiste quant à la bonne gestion des ressources humaines. Je pense que le système de santé tchadien, depuis plus de 10 ans, rencontre le même type de difficultés. Est-ce que c'est un problème d'organisation? Oui. Est-ce que c'est un problème de stratégie? Oui. Est-ce que c'est un problème de ressources? Non. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ravie de cette marque de distinction, la présidente de l'association des sages-femmes et maïticiennes du Tchad, Salamatou Ibrahim, appelle ses collègues à plus d'engagement pour réduire les taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile afin de donner à chaque bébé sa maman, à chaque maman son bébé et à chaque papa sa femme et son bébé.